Aujourd'hui, il neige, donc il est un bon jour pour la soupe à l'oignon. Je vais utiliser le beurre vegan pour ma famille et je vais avoir le fromage et le pain à côté. Mais traditionnellement, on va mettre le fromage directement sur la soupe. Allons-y! Les ingrédients sont les oignons, le bouillon de bœuf, le beurre, du thyme, un feuille de laurier. À côté, on a du pain et du fromage. Je vais utiliser le Munster, mais vous pouvez utiliser quel que soit fromage que vous aimez. Coupez les oignons et le beurre et les ajoutez à la marmite. Mettez la marmite sur la cuisinière avec le beurre et les oignons. Tournez la cuisinière à moyenne ou moyenne fort. Je la mets à 6. Faites attention parce que vous ne voulez pas brûler les oignons. Ensuite, mélangez souvent. Ajoutez le bouillon de bœuf et mélangez encore. La soupe à l'oignon est une soupe économique. C'est quoi les Romains la appellent la soupe de pauvre. Les ingrédients ne sont pas très chers, particulièrement les oignons. C'est un légume très facile à cultiver. Tournez la cuisinière à 6 encore. Et puis, ajoutez le thyme et la feuille de laurier. L'inventeur de la soupe en France est disputé. C'est possible qu'il ait le roi Louis le XV ou Louis et sa tante, ou Stanislas Leczinski qui a été le duc de Lorraine. Quiconque a tant inventé, c'est une soupe favorite partout. C'est simple et facile et
plus importante, c'est délicieuse. Réchauffez le four à 375. Coupez le pain et le fromage et les cuisez pour 7 à 10 minutes jusqu'à ce qu'ils sont marrons. Voici l'histoire à Louis le 15. Il est rentré après un long jour. Et tout il a eu est les oignons de beurre et de champagne. Il et sa tante a mélangé tout dans une grande marmite. Et voilà, la soupe à l'oignon est née. Enfin, servez-vous et votre ami. N'oubliez pas d'étendre la cuisinière et le four. Bon appétit!